Oui, c'était une course assez spéciale pour moi parce que bah, dehors, c'était en Wallonie, c'était à la maison, sur mes routes d'entraînement. Et puis là, j'ai pour la première fois vu groupe aussi soudé et une ambiance vraiment. Chacun aurait donné entre guillemets sa mort pour l'autre. Donc c'était vraiment une chouette semaine, une bonne ambiance. Et je retiendrai ça, à mon avis, très très longtemps, pour ne pas dire toute la vie. Ben, j'étais assez fort mentalement à ce moment-là parce qu'après ma non-sélection au tour, j'ai fait tout pour venir à vraiment top niveau. Et après, ben, après la deuxième étape gagnée et le maillot jaune endossé, ben, je pense que je sentais bien que pas grand-chose pouvait m'arriver et j'étais assez fort que pour le ramener à la maison. Et voilà, l'expérience d'avoir un maillot jaune sur les épaules, ben, ça t'endurcit aussi et ça te permet de te surpasser. Ouais, c'est sûr que c'est toujours un plus parce que il y avait une étape, une arrivée chez moi dans ma ville. Tout ça l'un dans l'autre, ça me donnait une extrême motivation. Mais aussi en tant que Wallon, je pense qu'il y a d'autres courses qu'il faut aussi rêver, comme les Liège-Bastogne-Liège ou même l'Amstel qui est juste à côté de chez moi. C'est des courses qui font évidemment rêver.